tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce jour l'été. Charline, même personne n'est au courant que je suis en train de tourner cette petite vidéo du turfé. On est heureux. Nous sommes mercredi, oui parce qu'il est minuit passé. On est mercredi 31 août. Et hier, c'était l'anniversaire de Charline. Hier, il y a 40 minutes. Je lui ai fait un petit message perso parce qu'en fait, j'ai un petit peu oublié de lui faire un cadeau. Mais je tiens à tenir cette promesse devant YouTube, devant les 7000 abonnés qu'elle a aujourd'hui. Dès que je trouve quelque chose qui serait susceptible de plaire, ma petite Charinou, je te l'achète de suite. Ça fait drôle d'être toute seule un petit peu devant la caméra, tu sais, en mode « Hey, je t'ai volé ta chaîne. » Je vais même voler son poste de bâton, s'il te plaît. Pauvre choupinette. Et en tout cas, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Non, je déconne, ceci est une boutade de type plaisanterie. Voilà, aujourd'hui est un grand jour. Et d'ailleurs, je vous dis pas à demain, vu que c'est à tout à l'heure. Je suis drôle, les enfants. Bon, je vous dis au revoir. Je vous dis bonne nuit, bisous. Et dormez bien, bonne nuit. Et donc, moi, je vous dis à demain. Ça, c'était gratuit. C'est pour voir tous mes seins, y a pas de soucis. Bon, j'en ai pas beaucoup, donc... Vu que jeudi matin, c'est la rentrée, en fait, on est un peu déçus quand même parce que ces vacances sont passées plus vite que... En fait, je me suis endormie en juin, je me suis réveillée en août. On a fait des choses cool, c'était avec Chachou. On allait faire du paddle sur le lac, c'était marrant. On a pris des coups de soleil sur le cul, c'était rigolo. Bon, on n'arrivait plus à dormir, mais bon, ça, c'était pas un problème. Vu que absolument, quand quelqu'un touchait notre peau... Bah déjà ça lui brûlait le doigt, et deuxièmement bah en fait t'avais l'impression de te faire poignarder le doigt comme ça, enfin le bras. Tout ça pour dire que je vous aime bien moi, au final quand je regarde ça fait quand même, ça va bientôt faire un an que je connais Charline. Depuis le début elle me fait rire, hein, petite Charlinou. Depuis le début c'est une personne rigolote, hashtag brillance. Ça fallait être avec nous en cours de français en première. Bon, vous n'hésitez pas avec nous. En fait, une fois, Charline, elle a dit, pour définir le mot brillant, elle a fait, c'est un peu comme du Charline, quoi. Voilà, donc ma petite Charline, je vais remettre ce bâton à sa place. Et, attends de me casser la gueule. Et n'oublie pas que je t'aime, et que tu es la meilleure, et que tu es celle qui comble mes jours de tristesse.